Je remercie très très sincèrement Patrick Chamoiseau de cette chaleureuse invitation. Et j'aimerais aussi bien sûr remercier toutes les personnes qui sont au cœur de l'organisation de ce formidable événement que sont les rencontres Orient-Occident. Donc Marie-Laure, que j'ai eu le grand plaisir de rencontrer, René Pierre-Anti, Karine, pour son travail incroyable, et aussi, elle n'est pas ici, mais Hanan, que j'ai adoré depuis hier et dont le sourire accompagne ces rencontres. Orient-Occident, et en fait, en tant qu'Arménienne née à Paris et dont la famille est originaire d'Istanbul, je me situe moi-même au cœur de ce croisement. Et c'est aussi sans doute, et c'est une question que je travaille de plus en plus et qui me travaille, en lien avec mes origines plurielles, en devenir sans doute, précédemment cité, que mes travaux sur l'art africain ou les arts africains américains, ou les questions propres aux déplacements culturels entre les continents, sont en relation. Donc bien sûr, la notion de relation telle qu'elle a été conceptualisée par Glissant est au cœur ici de ces passages entre le subjectif, le poétique et le politique. La rencontre avec les textes de Patrick Chamoiseau, en particulier La matière de l'absence en 2016, puis les livres publiés depuis, jusqu'au compteur La nuit et le panier cette année, accompagnent les recherches que je mène depuis fort longtemps sur l'histoire de l'esclavage en lien avec les arts contemporains. Les ouvrages de Patrick Chamoiseau m'aident à reconduire la forme organique au sein de laquelle je travaille ces objets, choisissant de faire référence à l'histoire de l'art comme un champ ouvert, accueillant en son sein différentes données visuelles, poétiques, musicales, cinématographiques, qui viennent éclairer, chacune à leur manière, les réflexions que je produis en articulant objets artistiques, conscience politique et mémoire. Cette dernière est pensée comme une force matricielle qui, faite de trous et de pleins, permet de recoller les fragments épars d'une histoire du déplacement, du morcellement des corps et des récits. Et en cela, bien sûr, c'est ce qui a été dit ce matin fonctionne parfaitement par rapport à ce que je souhaite vous présenter maintenant. Cet éclatement produit par l'esclavage transatlantique et la déportation des Africaines et des Africains depuis le continent africain vers les Amériques. Et l'histoire parle aussi de la déportation des populations depuis les pays de l'océan Indien vers l'Afrique, notamment dans le cas de l'Afrique du Sud et de Cape Town, qui était un centre très important à l'époque, et portée par une spiritualité fluide ou flottante, selon que l'on choisisse de penser le déplacement sur l'eau ou dans l'air. Et ce mouvement où se perd une origine, où se construit une arrivée, a été et encore au cœur de beaucoup de productions portées par les artistes africaines, américaines et africains-américains. J'ai choisi de commencer cette présentation en vous lisant la première strophe d'un poème de Langston Hughes, qui date de 1930, poète états-unien, et qui s'intitule précisément « Afro-American Fragment ». Je lirai en français, ou vous avez l'anglais, mais je lirai donc en français, ou les deux. « So long, il y a longtemps, so far away, si loin, is Africa, et l'Afrique. Not even memory is alive, même plus de mémoire vivante, save those that history books create. Gardez celles que les livres d'histoire inventent. Save those that songs, gardez celles que les chants beat back into the blood, rythme dans le sang. Beat out of blood with words sacked song, font battre dans les veines avec de tristes mots chantés, in strange un-negro tongue, dans une étrange langue non nègre. So long, il y a longtemps, so far away, si loin, is Africa, et l'Afrique. » La question de l'histoire est ici posée par Langston Hughes en lien avec une mémoire disparue qui doit être inventée par les livres et réinventée par les chants qui battent dans les veines. Comment faire vivre de façon conjointe la mémoire et l'histoire à partir de la rupture irréversible produite par l'esclavage? La question est au cœur des pratiques artistiques, littéraires et critiques depuis les abolitions au XIXe siècle, mais elle apparaît surtout avec une volonté encore plus marquée au fil des décennies, à chaque fois que l'engagement dans les luttes, lutte revendiquant les droits culturels et sociaux, choisissant la résistance aux autorités,
et contrant les discriminations de tout ordre, qu'elles soient coloniales, raciales, sexuelles, ont autorisé une émancipation politique et esthétique. La période des années 1960 et des années 1970 correspond à un tournant qui permet d'étudier précisément les transformations esthétiques au prisme de ces luttes politiques. En cela, la référence accrue à l'histoire de l'esclavage, en rendant hommage à sa mémoire, devient pour les artistes un outil politique. Et cette question est vraiment au cœur de mes recherches depuis plus de 25 ans. À mon tour, je me suis emparée du même outil politique en choisissant d'étudier les artistes travaillant cette histoire en la considérant strate après strate. Revendiquer une liberté des formes artistiques et un décloisonnement des pratiques où sculpture, peinture, performance, photographie, film et texte s'entrelacent accorde un changement fécond des paradigmes. Sur l'écran, vous avez une œuvre réalisée par Senga Nengudi, artiste africaine-américaine née en 1943 et qui a pris un nom africain à la fin des années 60, à une époque où cette identification à l'Afrique est un acte de résistance dans le contexte du mouvement des arts noirs, dit Black Art Movement. La fragmentation des corps déjà évoquée, et en cela j'aimerais juste reprendre aussi cette magnifique image du corps comme archive que Patrick Chamoiseau a posée tout à l'heure, la fragmentation déjà donc évoquée, la violence qui leur est imposée, fonctionne dans l'œuvre de l'artiste à partir de réalisations chorégraphiques où l'élasticité corporelle est exprimée par l'usage de collants. Ceux-ci sont lestés de sable et cela permet de produire un écartèlement qui, pour Senga Nengudi, évoque la poitrine distendue des nourrices esclaves ayant allaité pendant des années des enfants qui n'étaient pas les leurs. Le collant en extension est la représentation d'un corps en fragments. Il est aussi matière de l'absence dont surgissent des corps sculptures éphémères qui agissent comme des ponctuations spatiales. Il y a 5 ans, quand Patrick Chamoiseau a publié « La matière de l'absence », sa lecture a été pour moi bouleversante. Ce qui était écrit s'alliait à nombre de mes intuitions en tant qu'historienne de l'art, puisque je travaille ces objets en cherchant à révéler la façon dont les mots peuvent produire des images et comment ces images résonnent à leur tour avec des imaginaires en écho à des contextes culturels et politiques qui, au fil des siècles, ont souvent été le produit de distorsions narratives. Il était dès lors évident que ces récits et ces allégories devaient revenir au centre de l'histoire, à dire, à lire, à raconter, pour que celles-ci puissent croiser les expériences. Ces narrations ayant pour sujet l'esclavage, ce sont chez les artistes et les écrivains que je les ai trouvés les plus libérés, même si sont reconduits les éléments récurrents à toute la violence afférente à ce que la traite comme point du départ du capitalisme globalisé représente. On ne décide pas d'effacer une mémoire, c'est elle qui se structure avec l'oubli et qui, avec l'oubli, décide des rémanences. Toute mémoire est un oubli organisé, un oubli nécessaire. Celui qui nous pourrait oublier se retrouverait aussi désemparé que celui qui oublierait tout. Bien sûr, au sein de cet espace de l'oubli total ou la possibilité ou l'importance de ne pas oublier, se situe la place de ce corps qui a été évoqué, mais de l'œuvre également. Aux pages 51 et 52 du livre de La matière de l'absence, Patrick Chamoiseau écrit « Les œuvres de nos premiers vrais plasticiens iront à la recherche identitaire. Ils s'organiseront en groupe et en école et mobiliseront des signes ostentatoires. Il fallait vaincre l'effacement primordial, c'est en italique dans le texte, réduire l'amputation. Les signes, les symboles et les formes d'Afrique, les signes amérindiens ou même les dispositifs du vaudou resteront longtemps les oriflammes de leurs recherches. Elles leur permirent de fonder un discours esthétique, de faire soi et racine, de prendre en charge le manque en essayant de le faire disparaître. » Là aussi, c'est en italique. Il y a aussi, dans la matière de l'absence, une idée extrêmement visuelle et plastique
qui est celle de l'informe de la forme, telle qu'elle est aussi produite par une artiste comme Sengen Ngudi, comme je vous l'ai montré avec ce travail, qui d'ailleurs s'appelle RSVP, répondez s'il vous plaît, donc attendant d'un public une possibilité de réagir. Dans Le Compteur, La Nuit, Le Panier, Patrick Chamoiseau raconte l'état poétique qui s'entrechoque avec ce qu'il nomme une esthétique de la catastrophe. Il choisit pour cela la figure du conteur qui prend la parole la nuit sur la plantation esclavagiste et fait étinceler les mots, comme il l'a rappelé ce matin. L'expérience de la création et de sa réception est un chemin, et ça c'est une image et une idée qui part de Glissant et que Patrick Chamoiseau reprend et que j'aime beaucoup, qui est celle de ce chemin solitaire et solidaire, selon cette union donc unique de deux mots qui sont pour moi des faux jumeaux, mais que Patrick Chamoiseau propose donc à partir de Glissant pour saisir la nécessité de cette mondialité dont il a été aussi question ce matin. Et quand il parle de l'expérience de la création, Patrick Chamoiseau évoque une esthétique transfigurée. J'aimerais raccorder cette dernière à l'expérience physique et mentale vécue par les personnes réduites à l'esclavage, mais dont la force réside dans cette possibilité de transfiguration. Une transfiguration qui ne serait pas seulement spirituelle, mais porterait l'éclat que lui confère le statut de création. Mon interprétation du conteur La Nuit, Le Panier m'a fait comparer le livre à un diamant aux mille facettes dans lesquels il faut s'immerger avec concentration afin de suivre le cheminement sans chemin que propose Patrick Chamoiseau. Il écrit, et je cite, « L'œuvre est un cheminement sans chemin, le remous d'une vie. » Ce cheminement nous permet de rencontrer sur notre parcours le surgissement d'une esthétique de la création. Et pour Patrick Chamoiseau, l'expérience esthétique est adossée à une esthétique de la catastrophe. Cette catastrophe, comme il a été rappelé ce matin, est celle de la cale du bateau négrier, de l'esclavage et du dénuement le plus complet des individus, africaines et africains, captifs, qui doivent tout recréer une fois qu'elles et ils ont survécu à la traversée. En ce sens, cette interrogation ou cette question se joue entre la puissance et la vulnérabilité des corps, transmis donc par les épreuves, c'est-à-dire des blocs de force qu'il faut contourner et surmonter. Les mots que Patrick Chamoiseau pose sont comme les pierres d'un petit poussé qui, pour moi, révéleraient les traces, ces sentiers enfouis, immémoriaux, créés par les Amérindiens, Caraïbes et Arawaks, et empruntés physiquement et spirituellement par les esclaves marrons ou des plantations, des chemins de traverse et de liberté. Au cœur de ce dilemme, les artistes dont j'ai choisi de parler aujourd'hui se sont appropriés de façon critique des portraits d'esclaves réalisés en 1850 sur une plantation de Caroline du Nord à des fins eugéniques. L'étude a été menée par Louis Agassiz, célèbre biologiste suisse, ayant intégré les laboratoires de recherche de l'université de Harvard en 1846. Les daguerreotypes ont été réalisés par Zilli et pendant plus de 100 ans, ces images ont été oubliées ou volontairement délaissées avant qu'elles soient redécouvertes en 1975 au Peabody Museum de Harvard. Archives à la valeur de témoignages inestimables, elles permettent aux chercheuses et aux chercheurs de reprendre le fil d'une historiographie de l'esclavage par le biais des images avec le médium photographique qui joue un rôle prépondérant comme preuve irréfutable que ce que l'on voit en regardant ces portraits a existé. Les regards profonds des hommes et des femmes qui ont été saisis par l'objectif dans leur vulnérabilité et leur nudité luttent contre l'objectivation de leurs conditions d'esclavagiser. Une exposition organisée par Harvard en 1992 a révélé l'ensemble de ces photographies et elles sont alors devenues des archives d'une mémoire portée par ces esclaves et ont été utilisées comme telles dans certains processus de création. Les deux artistes dont je vais à présent vous montrer le travail ont choisi de rendre leur subjectivité et leur dignité à ces femmes et à ces hommes en déplaçant les images respectivement dans une série photographique et une installation vidéo
conjuguant leurs trois projections simultanées. La première, celle de Carrie Mae Weems, From Here I Saw What Happened and I Cried, de 1995-1996, oui, juste un petit tic d'historien de l'art, les titres ne sont pas en italique parce que le diaporama a été déplacé, donc a priori, donc vous les voyez sans italique, mais je les ai mis en italique, donc comme moi voilà, je voulais juste le préciser. Et dans les deux, j'aimerais souligner que les fragments, donc From Here I Saw What Happened and I Cried, commencent par cette image où on voit donc toute une série photographique, From Here I Saw What Happened, avec ce portrait d'une reine africaine. Dans les deux exemples, j'aimerais souligner que les fragments se trouvent assemblés par le biais de la série photographique, où l'espace entre les images agit comme des respirations, et du montage filmique, où les archives visuelles s'épaulent. Dans le travail d'histoire de l'art que je mène, j'aime beaucoup réfléchir à ces espaces entre, à la façon dont ce qui se joue dans ce vide, dans ce qu'on ne voit pas mais qui existe, va permettre de créer justement des solidarités entre les différents fragments. Dans cette série de 1995, qui est inaugurée par la pose donc majestueuse d'une reine africaine, dont le point de vue donne le titre à la série, From Here I Saw What Happened and I Cried, donc d'ici j'ai vu ce qui est arrivé et j'ai pleuré, Carrie Mae Weems, qui a visité la première exposition des daguerréotypes, les reprend. Les teintes de rouge, comme des images qui se révèlent à la lumière de la chambre noire, et elle y appose des textes confirmant l'instrumentalisation de ces femmes et de ces hommes. Donc vous êtes devenu un profil scientifique, un type négroïde, un débat anthropologique, un sujet photographique. John Acomfroy, l'autre artiste qui reprend aussi 10 ans après Carrie Mae Weems, en 2015, les portraits de 20 ans après Carrie Mae Weems, les portraits de Renty, Delia et Jack. Et dans cette esthétique du montage et du fragment, de la trace et du glissement, on voit un processus. Et John Acomfroy est un artiste d'origine ghanéenne qui vit en Grande-Bretagne. Il est né à la fin des années 50. Lors d'une conversation en 2017, Patrick Chamoiseau prononçait des mots importants pour évoquer son rapport au lieu, à la trajectoire, au mythe fondateur de l'Afrique et à sa disparition. Il privilégiait les termes de composite, d'emmêlement, de partition, et il parlait de multiplicité ouverte et de récupération de l'invisible. Ce qui a été oublié ou ce qui n'a pas été dit. Et puis une phrase permettait de faire une jonction immédiate avec la proposition artistique contemporaine de John Acomfroy, qui choisissait donc pour Vertigo aussi de privilégier l'espace sous-marin comme lieu de l'insaisissable. Une phrase qui m'a semblé tout de suite d'une force et d'une réalité implacable pour penser l'expérience de l'esclavage. Patrick Chamoiseau disait « Comment tenir debout quand on n'a pas de sol ?» Quand le sol n'existe pas ou plus, on apprend à se tenir debout. À partir de la verticalité d'un corps qui fait corps, on peut lire l'espace de la mer, pensée comme mémoire. Corde sensible d'un rapport à l'histoire qui ne peut être détachée de l'imaginaire, ces citations de Patrick Chamoiseau m'ont permis de les envisager comme des jalons de ma réflexion. La traite est au cœur de cette méditation visuelle et sonore que propose John Acomfroy avec Vertigo aussi, Oblique Tale of the Aquatic Sublime. Les portraits de ces esclaves photographiés par Zilli sont associés à des paysages marins sublimés. Le contraste est d'autant plus saisissant qu'il est renforcé par le caractère statique des portraits et le mouvement de la mer et du ciel. La modernité technique de l'image renforce la proximité de cette histoire que l'on peut toucher de la main. L'océan Atlantique et son rôle pour le commerce des esclaves jouxte pour John Acomfroy, mais aussi pour Patrick Chamoiseau, une autre histoire
qui est celle du drame actuel des migrants. Un montage d'images sous-marines issues des archives de l'unité d'histoire naturelle de la BBC, d'images historiques, comme celle de Renty Kongo ou de sa fille Delia, d'images des réfugiés vietnamiens fuyant leur pays en 1975 au moment de la chute de Saigon, et d'images que John Acomfra a filmées précisément pour le projet, composent cette installation vidéo en trois écrans qui produit chez le spectateur un effet presque hypnotique pendant plus de 45 minutes. La réalisation de Vertigo aussi est la coordination de plusieurs points qui convergent alors que John Acomfra initie les recherches pour ce projet autour de 2007. Il contacte l'unité d'histoire naturelle de la BBC afin de visionner leurs archives. Depuis 20 ans, John Acomfra emprunte les archives filmées de la BBC pour différents de ses films, et au même moment, il est en train de relire Moby Dick de Melville, quand il prend connaissance du récit d'un jeune homme nigérian rescapé de la mer alors qu'il est l'un des migrants qui, par milliers, cherche à fuir la violence et la guerre en prenant le risque de traverser la Méditerranée. Au cœur du projet de John Acomfra, réalisé en 2015, alors que périssent noyées plus de 3000 personnes, se trouvent les notions de frontières et de déplacement culturel qui sont depuis toujours inscrits dans son processus de réflexion politique, artistique et esthétique. Il choisit alors de raccorder le devenir des migrants à celui des Africains capturés pour devenir esclaves dans les Amériques, en faisant fusionner les images, les archives, en créant par cette mise en contact visuelle, temporelle et spatiale, des interstices entre lesquels la lumière sous-marine filtre avec toutes ses nuances. Derek Walcott, avec son poème « The Sea is History », est aussi convoqué, devenant l'une des références de l'œuvre. L'espace aquatique sert de tombeau, de voûte grise d'où s'échappent des rayons de lumière. Les pages vides de l'histoire, que décrit le poète de Sainte-Lucie, sont celles de cette mer amnésique qui contrarie John Acomfra et qu'il choisit de travailler par les images infinies, flots et flux, inversant les points d'ancrage et renversant terre et ciel dans des nuances où la mer absorbe, fascine, où la mer est mort et chemin à la fois. Les images de ces hommes sur le bateau négrier jetant à la mer des esclaves est une double référence au massacre du Zong où 130 hommes, femmes et enfants ont péri le 29 novembre 1781, événement tragique que le peintre Turner a peint en 1840, intitulant sa toile « Le négrier jetant les morts et les mourants à la mer ». J'ai aussi une séquence filmée que je vais vous présenter. Alors, comment est-ce que ça... Alors, tout à l'heure, ça marchait... Ça marche, hein. Ça marche ? Ah oui, d'accord, parfait. Parce que sur l'écran, je ne le vois pas. Normalement, il y a le son, mais c'était trop compliqué, les choses techniques. Donc, c'est des sons de voix et des sons un peu d'abysse. Je ne laisse pas les 4 minutes pour nous laisser aussi le temps de la discussion après. Mais, donc évidemment, il y a tout cet aspect très pictural. Donc ces images, donc, Acomfra, comme d'autres artistes, a regardé Turner, qui était engagé donc, dans les mouvements abolitionnistes dans le contexte de la Grande-Bretagne,
Mais la juxtaposition de verticaux ci et ici, dans l'exposition au San Francisco Museum of Modern Art en 2018, son exposition, il avait demandé à ce que le tableau de Turner, le déluge, puisse faire le voyage donc transatlantique, enfin même jusqu'en Californie, pour qu'il puisse vraiment jouxter. Donc on voyait l'installation, et puis dans une pièce à part, on avait le tableau de Turner. Et la juxtaposition de Vertigo aussi et du déluge crée un lien avec l'histoire et les différents siècles en insistant sur la continuité temporelle et spatiale de la mer. En 2018, lors d'un voyage de recherche, je me suis rendu à Baltimore pour visiter le Great Blacks in Wax Museum, le musée de cire exposant les personnages noirs célèbres. Les musées de cire sont très fréquents aux États-Unis et celui-ci, situé dans un quartier pauvre et périphérique de Baltimore, sachant que Baltimore était aussi la première ville, en fait, le premier espace urbain que les esclaves qui arrivaient à les esclaves fugitifs ou qui arrivaient à prendre par le biais de ce Underground Railroad, donc le chemin de fer clandestin et arriver à s'échapper des plantations. Baltimore était une des premières villes refuges à l'époque. Et donc dans ce quartier très pauvre et périphérique de la ville, ce musée a été pensé selon une posture militante, avec très peu de moyens et dans la volonté d'accorder à la communauté africaine-américaine l'accès à son histoire. Les deux fondateurs ont choisi dans les années 80, le musée a ouvert en 1983, de proposer un récit historique qui remonte précisément à l'expérience de la traversée. Sauf que, comme c'est un musée de cire, tous les corps n'apparaissent pas dans cette représentation un peu subliminale qui serait celle de la vidéo ou du film. Il y a une matérialité de cire de ces corps qui ont été moulés. Et j'ai pu lire des récits d'artistes qui racontent ce que c'était que de reconstruire ces corps d'esclaves à échelle 1 pour les inscrire dans ce musée. Et là, on voit, donc c'est précisément, j'ai choisi cette image pour montrer comment on jetait en fait les captifs par-dessus bord et on voit figé dans la cire un requin qui est prêt à dévorer les corps. Et le musée, vous voyez, il est aussi dans une forme très, comment dire, très, très pauvre dans sa forme, mais qui sert de lieu. Il y a des autocars qui viennent et d'enfants qui viennent apprendre l'histoire de l'esclavage grâce à ce musée. Et on voit donc là, jetant les captifs par-dessus bord, et donc on voit ces corps. Et c'est très, très petit comme musée, vraiment, tout est étriqué. Donc il y a cette approche en fait physique, l'expérience physique que l'on en fait en tant que spectateur, faire face à ces scènes très très expressives, permettre justement de comprendre comment est-ce que l'ensemble a été réalisé. Et donc les artistes, et on retrouve à un moment, dans un couloir, un corridor extrêmement étroit, ces portraits que nous connaissons. Les tirages sont surdimensionnés, par rapport au recul dont nous disposons, et le corps à corps qui s'établit entre les visiteurs et les photographies fait que nous sommes absorbés par les regards qui nous fixent avec la sollicitation à nous souvenir, puisqu'on va lire. Donc vous voyez, le corridor, il est tout petit, tout est vraiment étroit, et on voit le « remember » qui apparaît au-dessus de chacune de ces photographies. Et la cale du bateau négrier est lui aussi le lieu sordide, puisque on arrive, en fait, après ce passage de corridor, dans un espace où les corps en cire se superposent, enchaînés, blessés, cassés. On voit les fragments. Et le réalisme de la cire autorise aussi d'envisager la vulnérabilité du matériau, puisque avec le feu, la cire fond. Et puis, donc on voit toutes ces images, donc c'est très pédagogique bien sûr, avec la partie sur le boys quarter, donc le côté où il y avait les enfants, là où il y avait les personnes qui étaient malades et les personnes âgées. Et là, la jeune femme qui se fait fouetter,
l'homme, et puis bien sûr les esclaves rebelles, mais aussi le viol et la violence. Donc c'est très très réaliste, mais comme vous pouvez le voir, inscrit dans un espace complètement, voilà, ça pourrait être n'importe où avec la porte marquée Exit, mais ce face-à-face est très très impressionnant. Et puis on arrive, et puis voilà, donc il y a toutes ces représentations, assez claustrophobiques, les outils de la traite esclavagiste, donc le fouet, la clé, les menottes, ces images aussi très violentes. Et puis le bateau qui s'appelle The Middle Passage, et là, entrer dans le bateau par ici. Et puis, à la sortie de l'expérience de la cale, les visiteurs sont invités à honorer l'esprit des ancêtres africains. Et on peut lire sur la petite pancarte que vous voyez là, le musée vous invite à rendre hommage à la tradition de libation. Prenez un des vers ci-dessous, donc c'est les petits vers que vous voyez. Nous choisissons l'eau car c'est une force qui donne la vie. Prenez quelques gouttes dans la vasque. L'eau provient de l'océan Atlantique, qui est devenu le cimetière pour des millions de nos ancêtres africains. Et puis, on fait donc la libation à la mémoire d'une personne honorée. Si vous le désirez, faites cet hommage en mémoire de ces ancêtres qui ont expérimenté l'horreur du négrier. L'expérience de la plantation américaine fait suite à ce voyage où les corps réduits à néant, battus, violés, tués, constituaient néanmoins continuer néanmoins de vivre. C'est cette vie humaine au-delà de toute déshumanisation que racontent les artistes et les poètes. La mémoire et l'oubli forcé n'éradiquent toutefois pas toutes les possibilités de résister et de créer du lien avec les origines. L'arbre de l'oubli, écrit Patrick Chamoiseau, ayant effacé d'emblée tous les chemins, tous les liens et les quatre horizons, celui qui se voyait emporté au-delà de la barre de corail n'était plus qu'une relique biologique, au mieux, une intensité en devenir. Comme il s'en allait vivant, il ne pouvait même pas intégrer le cocon des ancêtres de la communauté. Après avoir été marqué quand il quittait les fers des barracounes pour les fers du bateau, on lui enlevait les signes, les bijoux, bracelets, objets qui pouvaient se rattacher à son explication originelle du monde. Ne demeurait que les scarifications qui auraient exigé qu'on lui enlève la peau. Mais les scarifications ne peuvent signifier seules. Il leur faut une immersion communautaire. Voilà donc comment tout s'amorça pour nous par l'oubli imposé. Malgré toutes les tentatives d'enlever des traces de leur origine, il existe des récits, qu'ils soient ou non liés à la mythologie, mais cela n'empêche pas de leur poésie, qui perdurent. L'un d'entre eux raconte les grains de riz que les femmes africaines auraient transportés cachés dans leurs cheveux. À Amsterdam, le Rijksmuseum a organisé au printemps dernier, printemps et été 2021, une importante exposition intitulée Slavery, esclavage, en présentant des pièces de sa collection muséale permettant de retracer, grâce à des objets et des œuvres d'art, le parcours des individus qui ont marqué l'histoire de l'esclavage. Ici, sur l'image à gauche, le riz sapali, une variété qui n'existe qu'en Afrique de l'Ouest et au Suriname, et qui aurait traversé l'Atlantique cachée dans les cheveux de Sapali, une Africaine captive devenue esclave au Suriname. Le riz est présenté dans l'exposition à côté d'un peigne en os antérieur à 1817. L'été dernier, le Centre d'art contemporain d'Ivry présentait l'exposition de l'artiste Kapwani Kiwanga, artiste né au Canada, d'origine tanzanienne. Et cette exposition s'intitulait Sima Sima, en hommage aux Sil Marones, les esclaves marrons. Au cœur de cette exposition, une salle était réservée à la variété d'un riz africain appelé Oritsa Glaberima. L'histoire de ce riz, étroitement liée à celle de l'esclavage, irriguait la réflexion de l'artiste qui choisissait de faire corps avec les conditions créées par les esclaves marrons pour assurer leur survie dans la nature, une nature qui était leur refuge. L'une des pièces de l'exposition, celle que vous avez sur l'écran, était une tapisserie
intitulée Repository, et de couleurs brunes, des formes abstraites, qui reprennent les motifs de l'ouest de l'Afrique. Kapwani Kiwanga a collaboré avec un artiste textile de Chicago, John Paul Morabito, pour la réalisation de ce travail. Quand on s'approche très près de la tapisserie, comme sur l'écran, on distingue, insérés entre les mailles serrées, des grains de riz réalisés en cristal. Transparents, ils sont à peine visibles. L'œuvre est la représentation symbolique d'une histoire orale qui a subsisté de génération en génération dans différents pays des Amériques, du Suriname à la Guyane, en passant par le Brésil, l'Amazonie, le Salvador et les États-Unis, la Caroline du Sud. Les grains de riz auraient été ceux transportés par Sapali, cachés dans ses cheveux. Le lien avec l'histoire de l'esclavage dans le travail de Kapwani Kiwanga, qui est une artiste qui est née en 1978, est aussi présent avec une série emblématique intitulée Glow, de 2019, que j'aimerais mettre en parallèle pour terminer avec tout l'imaginaire de la nuit et de la lumière que Patrick Chamoiseau décrit dans Le Conteur, la nuit et le panier. Cette série consiste en des sculptures à taille humaine, des colonnes monolithes noires réalisées en bois, en stuc et en métal, chacune à sa propre lumière, ronde ou longue, une ampoule ou un tube de LED inséré dans la colonne. La série Glow est née de la lecture par l'artiste du livre de Simon Brown intitulé « Dark Matters on the Surveillance of Blackness », donc sur la question de la surveillance de la blackness, de la noirceur. Dans celui-ci, Brown revient sur le caractère racial de la surveillance. Elle étudie les techniques de contrôle des personnes, techniques qui renforcent les discriminations et emprisonnent les corps dans un système remontant à la période de l'esclavage transatlantique. Ce sont des modes de surveillance que l'on retrouve dans le monde contemporain, notamment dans l'univers carcéral et le quadrillage urbain. En 2012, dans un article intitulé Everybody Got a Light Under the Sun, elle explique l'une des origines de sa recherche. Je me tourne vers les lois sur les lanternes dans la ville de New York à l'époque coloniale qui visaient à maintenir le corps noir dans un état d'illumination permanent. J'utilise le terme de luminosité noire pour désigner une forme de maintien des limites sur le site du corps racial, que ce soit la lumière d'une bougie, d'une torche enflammée ou du flash d'une caméra qui documente la terreur ritualisée d'un lynchage. Elle rappelle que le 14 mars 1713, le conseil communal de la ville de New York vota une loi sur la réglementation des esclaves noirs ou indiens pendant la nuit. Dans le troisième volume du conseil communal de New York, on peut lire qu'aucun esclave noir ou indien âgé de plus de 14 ans ne peut se retrouver dans une des rues de la ville de New York une heure après le coucher du soleil sans une lanterne ou une bougie allumée. Toute personne concernée par cette loi et y contrevenant risquait jusqu'à 14 coups de fouet dépendant de la bonne volonté du maître ou du propriétaire. Glow raconte cette histoire, étudier cet ensemble d'œuvres de Kapwani Kiwanga comme d'autres pièces où elle interroge ces questions de surveillance et de discrimination raciale immémoriale, revient aussi à saisir que la forme sculpturale produite est un rappel de ces corps marchant dans l'obscurité, éclairés pour rester visibles. La crainte que la couleur de leur peau puisse les invisibiliser dans le noir et les faire échapper à tout contrôle est vaine, puisque la peau blanche n'est pas plus visible que la peau noire dans l'obscurité. Ce rapport entre la matière, la lumière et l'obscurité compose dans la nuit, le conteur, la nuit et le panier, dans un entretien que nous avons réalisé au printemps dernier avec Patrick Chamoiseau, je lui donnais mon impression du livre en évoquant sa structure. J'avais en tête de souligner la tridimensionnalité du texte et sa profondeur. Je disais qu'il possédait une épaisseur, qui possédait une épaisseur que l'on peut ciseler par la lecture que l'on en fait. J'avais personnellement l'impression d'entrer dans une matière sculpturale. Et je lui demandais, est-ce qu'on peut,
dans la logique d'un processus de création, produire une analogie entre la sculpture et l'écriture. Ce à quoi Patrick Chamoiseau répondait, tous les gestes créateurs ont la même matrice. L'écrivain est frère du musicien, du danseur, du plasticien, du photographe, du comédien. Il doit s'efforcer d'habiter ce lieu créatif où le corps et l'esprit, la pensée et la sensation, l'image et le verbe se rejoignent sans conflit et sans prééminence de l'un sur l'autre, juste en l'effervescence d'un tout possible. Pour moi, l'écrivain sculpte son langage, il le chante, il le dessine, il le joue, il le fait dans une matière de base qui est la langue. En cela, lisant certains passages du conteur La nuit et le panier, cette évocation de la nuit me faisait penser à cette possibilité de raccorder avec ce que disent en creux les sculptures de Kapwani Kiwanga. Un passage en particulier de livre, et c'est celui que j'aimerais ici citer pour presque conclure cette présentation, et c'est un passage que j'aime beaucoup, qui était aussi présent différemment dans la lecture de la conférence inaugurale que Patrick Chamoiseau avait donnée à Sciences Po, quand il était invité d'honneur pour la chaire de la littérature à Sciences Po en 2020. La nuit enveloppe la plantation. La nuit défait l'ordre du monde. Dans la nuit, l'ordre mis en place par le maître s'estompe. Il n'y a plus que des ombres. Elles effacent la grande case. Elles effacent les bâtiments d'exploitation. Elles effacent les outils, d'où son importance déterminante. Celui qui parle ne voit même plus le maître. Peut-être le passage tapis dans un coin. Tout est noir autour de lui. Seuls les flambeaux éclairent le mort auprès duquel il se dresse. Ils éclairent de leurs braises tremblotantes le visage affamé des écoutants. Ils éclairent aussi de leurs braises tremblotantes le cri muet des visages qui l'écoutent. Tout est noir autour de lui, tout est ouvert. Seuls les flambeaux trembleurs éclairent le cadavre auprès duquel il se dresse. Sur la plantation, la nuit opérait comme un début de catastrophe esthétique qui achevait de vider la page juste avant la création. Ce rapport à la veillée, moment où la création est transfigurée, où les esprits se dressent pour communier, permet de créer un univers mental, visuel, sonore, où les perceptions sont transformées, où elles touchent à un moment de méditation intense, renversant littéralement les espaces et les temporalités. Cette dernière image que je vous propose est une image de Kapwani Kiwanga, avec une installation vidéo intitulée « Le soleil ne se couche jamais » 2017. Et pour moi, dans le conteur « La nuit et le panier », un peu comme dans la matière de l'absence, Patrick Chamoiseau propose de réfléchir à ces ellipses temporelles en maintenant vif le mouvement généré par la création artistique et poétique. Bien sûr, il y a la mobilité des mots, des images, des textes, des pensées, des flux, des migrations, mais quand il écrit dans « Matière de l'absence », considère cette poétique à laquelle je souscris, chaque forme, non comme un commencement, mais un incommencement. Offrir la sensation que quelque chose commence, mais jamais que quelque chose s'achève, ni que quelque chose s'est installé. Avec cette phrase, il touche à une essence du devenir artistique et poétique, à un moment de bascule où, par les arts, le lieu où nous sommes n'est jamais certain, mais où il existe le temps de notre présence. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? On a une dizaine de minutes, je suis désolé, parce que la matinée a été magnifiquement nourrie. Mais qui veut poser des questions ? N'hésitez pas. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave non plus. Ça arrive quand c'était très dense et très apprécié, vous savez. Pas seulement... Bon, bah, écoutez, comme c'est le cas, je vous remercie d'être là, d'avoir été à l'écoute de toute cette matinée magnifique. Oui, je vous en prie, allez-y. Mais moi, je voudrais juste apporter mon souffle. Ce n'est pas du tout une question, ni une pensée personnelle, mais je voudrais juste lire un poème de Patrick Chamoiseau, Lampedusa, ce que nous disent les gouffres. Il me semble que nous y sommes. Je vous en prie.
toute horreur crée son gouffre. Ainsi celle de la traite à nègres qui fit de l'Atlantique le plus grand oublié des cimetières du monde. Crane et Boulet relient les îles entre elles et les amarrent aux tragédies du continent. Le gouffre chante contre l'oubli, en roulis des marées, en mots de sel pour Glissant, pour Walcott et pour Camus Braithwaite. Fascine les siècles dans l'infini de ce présent où tout reste possible. Celui de l'Atlantique s'est éveillé. Clameur en Méditerranée, l'absurde des richesses solitaires, les guerres économiques, les tranchées du profit, les meutes et les sectes d'actionnaires, agences sécurité et agences frontières, radars et barbelés, et la folie des murs qui damnent ceux qu'ils protègent. Chaussures neuves et crânes jeunes font exploser les vieilles concentrations. Les gouffres appellent le monde. Les gouffres appellent au monde. L'assise ouverte, les vents qui donnent l'humain, l'humain qui va au vent, les aventures des peurs et des désirs, la seule richesse des expériences menées à la rencontre, les solidarités qui se construisent et qui construisent, les coopérations qui ouvrent et qui assemblent, et le suc et le sel de l'accueil qui ose. L'enfant a eu raison de mettre ses chaussures neuves. Ce qu'il arpente, au-delà de nos hontes, c'est le tranchant des gouffres génériques qui signale sous l'horreur et qui fixe, sans paupières, l'autre possible ouvert du meilleur de nous. En ombre, en foudre, en aube, les gouffres enseigne longtemps. Toute douleur est apprendre et ce chant est connaître. Chant partagé d'une même planète. Patrick Chamoiseau. Merci, merci beaucoup et à cet après-midi. 14.